que de ça, pratiquement. Tu as un peu le don de capturer des phrases qui font le buzz, en faire un design qui frappe l'œil, qui marche. Mais à part ça, tu as un long parcours. Tu as été rappeur, tu es photographe, tu as été danseur aussi, il me semble. Infographe. Où est-ce que tu trouves le temps de faire tout ça, en fait? Pour résumer, c'est pas le tout en même temps. Parce que ça a été des étapes dans ta vie. C'était des étapes. Ça a commencé par le hip-hop. Mm-hmm. Le hip-hop, c'était... J'ai commencé à écrire mon premier texte en 93. Et après, tu étais seul ou tu étais dans une groupe? J'étais seul. 93, c'était l'époque de mon lycée. Donc, j'avais pas vraiment prévu de faire ça. Mm-hmm. Et après, en 96, j'ai rejoint quelques amis à faire un peu du breakdance. Et c'était l'épopée du hip-hop. C'était B-Boy Shinobi. C'était pas un Shinobi à cette époque-là, c'était plus The Black Ninja. Oula, c'est toujours autour de cette thématique. Voilà, c'était plus l'art martial, du kung-fu. Tu en as fait aussi, je pense. J'ai fait pas mal d'arts martiaux. Et après cela, ça s'enchaîne, parce que la culture hip-hop et la culture d'art martial... C'est pratiquement... ça se mélange, ça s'enchaîne. Wu-Tang Clan, par exemple. Voilà, Wu-Tang, justement, a été ma première étape à se lancer, à aimer ce domaine. Parce que le Wu-Tang, beaucoup de gens connaissent Wu-Tang Clan, mais ils ne savent pas c'est quoi le Wu-Tang exactement. Le Wu-Tang, c'est une école de Wushu, c'est le Kung-Fu original en Chine, qui a 36 styles. C'est pour cela ils disent la grue, le singe, voilà, etc. Donc ça parle aussi de la culture chinoise qui est très riche. Absolument. Et l'influence, après, ça fait que je m'intéresse aussi au Japon, la culture asiatique. D'ailleurs, tu parles couramment japonais, tu nous viens de nous parler. Je ne parle pas couramment, mais je me débrouille. Ça, ça te caca, t'es quoi. Oui. Je viens de t'insulter, là. Bah, pas vraiment. Ça d'accord. Va, mais t'as le flow déjà. Ça, c'est les films japonais, je crois, ouais. Takeshi Kitano et compagnie. Mm-hmm. On le chope, quel que soit X. Alors, revenons un peu sur le design. Comment te viennent un peu ces fulgurances, ces idées à la base? Le design, à la base, j'étais étudiant à l'Institut d'art et industrie graphique à Belmondres. Pas loin de chez moi d'ailleurs. Voilà, Trauma, les salut. Castor 3. On salue les anciens profs et les anciens collègues, étudiants et compagnie. C'était la 9e promo. C'était le début de l'infographie en Algérie. Et ça m'a permis aussi de me lancer dans la PAO, dans la création graphique. C'est venu naturellement, tu dessinais déjà? Je dessinais depuis mon jeune âge, toujours l'influence des ninjas, l'influence, la culture. Qui n'a pas regardé des dessins animés à son âge? Captain Magic des compagnies. Ahmed Memo n'était pas né quand il y avait des dessins animés. Ouais, il y avait Sasuke, il y avait Glenn Dizel, il y avait... Voilà. Foiré. Il y avait... La culture japonaise était déjà incrustée dans la culture algérienne depuis le jeune âge. Et comme j'ai déjà dit, c'est un mix un peu de tout. Un peu du rap, un peu du breakdance, un peu de la calligraphie. C'est-à-dire que tu t'es pas posé cette question de dire je vais faire ça. C'est un enchevêtrement, un enchaînement. Et ça a commencé à être concrétisé en 2004. J'ai lancé le t-shirt retourné. Absolument. Je pense que tout le monde connaît, apprécie ou pas. En tout cas, la chaîne 3, tout le monde connaît, je ne mets que ça, je l'ai déjà dit. Donc tous mes collègues subissent ces t-shirts chaque jour. Donc retourné, ça a commencé en 2004. Après, j'ai fait pas mal de freelance. J'ai sauté d'une agence à une autre. Et à un moment, j'ai eu l'occasion de partir à Londres. De 2006 à 2007, j'ai fait une année à Londres. Et ça m'a aussi permis d'ouvrir un peu... Tes horizons. Mes fenêtres sur le streetwear. Parce que là-bas, il y a... C'est une culture... Ils peuvent se permettre dominant. Aussi. Ils peuvent se permettre. On ne peut pas tout faire ici. Donc là-bas, on a tellement de choix, on a tellement d'activités qu'on peut se lancer sur... Et en revenant à Alger, j'ai décidé de relancer ma marque plutôt, qui s'appelle Ninja Wear, que vous pouvez trouver sur Facebook.
Et ça, depuis la création de ma marque, j'ai fait plus de 70 designs. D'ailleurs, ça m'amène à la question que je t'avais posée quand on s'était croisé dans la rue il y a quelques semaines. Voilà. Tu es littéralement piraté et plagié depuis quelque temps. Depuis pas mal de temps, parce que il faut le dire, en Algérie, le copyright n'existe pas. Que ça concerne les artistes. Et pourtant, tu avais fait les choses dans les formes. Tu as déposé à l'ONDA, à l'INAPI. J'ai contacté l'INAPI. J'ai fait le dossier. Mais concrètement, c'est pas toujours gagné en Algérie. Il y a un manque de respect. J'ai eu l'occasion de parler avec certains copieurs sur Facebook. Et on a parlé. J'ai bien expliqué que c'est mon design. Il faut pas copier. Et ils ont. C'est en gagne-pain surtout. Et voilà, ils ont répondu avec une réponse qui est typiquement algérienne. Ils ont dit écoutez, si le client qui demande ça, on ne peut pas refuser un client. Donc, c'est une logique spéciale, hein, ça pose plein de questions sur la logique de certains gens qui gagnent de l'argent juste pour gagner de l'argent en écrasant d'autres. Moi, j'aime bien. Bon, c'est aussi la preuve que ça marche quand même, donc ça flatte un peu les. Voilà, goûts. J'aime bien. Ce que j'ai fait, je trouve que j'ai fait de positif dans cette société, que j'ai lancé ce mode de streetwear qui est assez lancé. De calligraphie arabe sur les t-shirts, ça s'était jamais fait avant. C'était un tabou déjà. Le fait que quelqu'un parle arabe, littéraire, dans un quartier, tout le monde se moque de lui. Absolument. Ça prouve qu'on a beaucoup de complexes envers l'arabe. L'arabe, c'est une langue assez riche, assez complexe. Et qui peut aussi se marier avec la modernité. Voilà, il faut voir les calligraphes iraniens, irakiens et syriens, c'est de la balèze. C'est de l'art. Oui. Voilà, c'est vraiment de l'art. Et tout ce qui concerne l'art, il y a toujours des gens pour, toujours des gens contre. Voilà. Donc, en résumé, il y a des gens qui copient, il y a des gens qui ne respectent pas les droits d'auteur. Et qu'est-ce que tu voudrais leur dire là tout de suite? Ça va être la conclusion. Moi, je veux dire simplement. Alors, je rappelle que Shinobi fait 1m90, qui pratique le kung-fu depuis 20 ans. Non, arrêtez de le plagier, s'il vous plaît. Non, c'est pas une question de violence, c'est plutôt une question d'intelligence. J'ai un simple message à dire: soyez intelligent et innovez. C'est une très belle conclusion. Je t'offre, puisque tu aimes le hip-hop, Homicide Mariachi. Arigato gozaimasu.